avez été vacciné hier, alors comment vous allez ? Effectivement, bah aujourd'hui je vais très bien, j'ai été vacciné, donc première injection contre Covid-19, c'était au centre hospitalier Robert Ballanger, c'est à Aulnay-sous-Bois. Je voulais remercier d'ailleurs le personnel qui a été extrêmement aimable, extrêmement professionnel aussi, parce que moi je suis très allergique, donc ils m'ont surveillée pendant une demi-heure après l'injection pour être sûr que je ne fasse pas de réaction. Pour Madeleine Bonnet, la question ne se pose pas. Il y a une réticence contre ce... Donc il y a de la mousse, il y a des pains de glace, et puis il y a encore un carton, puis un carton. Je vais réussir à le sortir, ce vaccin. Et puis voilà, les vaccins sont stockés ici. La stratégie française qui avait été de vacciner prioritairement, en tout cas dans la première phase, les personnes dans les EHPAD, dans les maisons, nécessitait une logistique très importante qui aurait dû être mise en place entre le moment de l'annonce au mois de novembre et puis l'arrivée du vaccin fin décembre. La décrue attendue ne vient pas. Malgré 2 mois de reconfinement, la situation épidémique reste critique en Bourgogne-Franche-Comté. Le CHU de Dijon voit les malades affluer de toute la région. L'épidémie n'est pas finie, c'est ce que je vous disais, la deuxième vague n'est pas terminée. L'impatience règne dans un grand nombre de cabinets de médecins généralistes. Ils souhaitent pouvoir rapidement vacciner leurs patients à risque et sont prêts à organiser des rendez-vous groupés pour s'adapter à la chaîne du froid complexe de ce vaccin. Nous, on est capable d'identifier nos personnes fragiles, de donner rendez-vous à 5, 10, 15, 20 personnes. Là, on met une combinaison totale parce qu'on ne sait pas trop où on va. La dame peut tout à fait être positive. Donc il faut qu'on se protège au maximum. Ça les surprend, les patients, à chaque fois. Ne faites pas ça! Je suis météorologue et je peux vous dire que quand les stalactites se forment, cela provient de l'eau. Vous mangez des crottes. Cette cave, elle a été créée en fait tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait seulement 10% des patients qui étaient au-dessus de nos têtes qui pouvaient payer leurs soins en or. Alors, pièces d'or, monnaie or, pour eux, tout allait bien parce qu'ils étaient riches. Mais par contre, pour les 90% autres, c'était un poil compliqué. Et si on demande au docteur Chenet pourquoi il tient tant à continuer d'exercer? Je n'ai pas tellement de choix, là. Je ne vais pas fermer la porte et leur dire « allez, foutez le camp ». L'épaule, on va faire une radio. Hein. Donc, comme un rôle social, quoi, qu'on a perdu, d'ailleurs, qui va disparaître. Mais vous l'avez encore? Oui, je l'ai encore, moi. Alors, bon, je le garde, mais je me rends bien compte que c'est obsolète.